Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir rapidement le dernier aspirateur hybride connecté proposé par Tinco, il s'agit du FloorOne S3. Cet aspirateur a bien évidemment une particularité, c'est un produit hybride, ça veut dire que celui-ci peut aspirer comme n'importe quel autre aspirateur balai, mais il peut également passer la serpillière avec différents niveaux de puissance, c'est assez intéressant. Cet aspirateur hybride connecté est proposé aux alentours de 400€ sur Amazon et sincèrement, c'est vraiment du très beau travail. Les matériaux choisis sont vraiment très qualitatifs, l'assemblage est vraiment très précis, c'est vraiment un produit qui respire la qualité. Alors bien évidemment, celui-ci étant un aspirateur hybride, donc laveur et aspirateur, il est bien sûr bien plus gros qu'un aspirateur balai classique. Si je le compare à mon aspirateur balai Roventa, il est vraiment beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Celui-ci pèse quasiment 7 kg en fonctionnement. Mais bien sûr, cela est complètement justifiable, c'est directement lié au fonctionnement et aux différents moteurs disponibles dans l'appareil. Pour le fonctionnement, rien de plus simple, il faut nécessairement qu'il y ait de l'eau propre dans le réservoir d'eau propre. Pour ce faire, vous mettez de l'eau du robinet à pas plus de 60 degrés. Vous rajoutez ensuite un bouchon du produit fourni directement avec l'aspirateur, donc un produit officiel Tinco. Vous mettez un bouchon dans le réservoir. Ensuite, vous avez simplement à verrouiller le réservoir et à le réinstaller sur l'aspirateur. Ça se fait très bien, c'est vraiment très ergonomique. Et vous voilà prêt pour utiliser cet aspirateur hybride laveur, vraiment très intéressant, pas très bruyant, avec différents niveaux de puissance. Donc il y a un système qui calcule automatiquement la saleté au sol en fonction du nombre de particules ingérées par l'appareil. Celui-ci détermine tous les paramètres en fonction du sol qu'il rencontre, le revêtement, etc. Et bien sûr, libre à vous de basculer en mode puissance maximum si vous jugez que le sol n'est pas assez propre ou s'il y a encore des tâches après nettoyage en mode automatique. Point intéressant, cet aspirateur connecté hybride est directement lié à une application disponible sur le Play Store et sur l'App Store, une application Tinco. Vous pouvez suivre pas mal de paramètres, vous pouvez bien sûr choisir la langue de communication de l'appareil parce que cet appareil parle. Alors moi j'ai désactivé la langue parce que c'était un peu gênant à la longue. Vous pouvez bien sûr suivre la mise à jour du logiciel directement sans fil. Via l'application, on pourra également suivre un petit peu un journal, donc que ce soit par jour, par semaine ou par mois en termes de taux d'utilisation, la quantité d'eau qui a été ingérée par l'appareil, recyclée, etc. Bref, c'est vraiment très précis et très simple d'utilisation. Et cet aspirateur hybride fonctionne très bien, que ce soit sur le carrelage ou sur le parquet, comme c'est le cas dans ma chambre ou dans mon salon, ça permet vraiment de dépoussiérer et d'enlever les traces plutôt tenaces. Et bien sûr, n'ayez aucune crainte, on peut tout à fait gérer la quantité d'eau déposée sur le sol. Une fois que vous avez fini le cycle de lavage, vous allez récupérer de l'eau qui sera vraiment assez croupie, c'est assez surprenant. Moi qui suis vraiment très maniaque, j'ai vraiment été surpris par la couleur de l'eau. Point intéressant, il y a un filtre directement dans la cuve pour attraper les poils et les cheveux, et vous avez également un système de filtre à air à la sortie de la cuve pour éviter de rejeter du pollen ou des particules, chose très intéressante notamment pour les personnes asthmatiques. Autre point fort sur cet appareil, il y a également un dispositif de nettoyage automatique une fois que l'appareil est branché sur sa base, il suffit d'appuyer sur le bouton dédié sur le haut du manche, et celui-ci va nettoyer automatiquement son rouleau en utilisant l'eau, en utilisant de la vitesse et de la rotation, c'est vraiment un point très intéressant. De ce fait-là, votre aspirateur sera toujours au top niveau en termes de propreté et de fonctionnement. Tinco n'est pas radin en termes d'accessoires fournis, on retrouvera un second filtre à air, un second rouleau de nettoyage, vous avez également une brosse pour vraiment bien nettoyer la cuve d'eau propre et la cuve d'eau sale. Vous avez bien sûr un produit de nettoyage. Et bien évidemment, on retrouvera un manuel traduit complètement en français. Ça, c'est encore un point très positif. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de présentation. Merci bien sûr à Tinco de m'avoir permis d'accéder à ce produit. Pour ma part, je suis pleinement satisfait. Pourtant, j'ai deux chats à la maison. Prenez soin de vous et à très bientôt.